Si je veux des enfants, oh, tu sais, j'en ai vu deux hier à la télé, franchement, ça m'a pas donné envie, hein. Vraiment pas, quoi. C'était insupportable, enfin, donc vraiment, je veux pas. Oups, pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour de Gran Turismo 7. Il y a quelques nouveautés intéressantes aujourd'hui, quelques véhicules un peu moins intéressants, bien sûr, comme d'hab, et pas mal de ruptures de stock également, on va vérifier tout ça. Donc, nous avons la Nissan Silvia QS S13 1988 en stock limité. Elle vient de passer en stock limité aujourd'hui, disponible à 34 200 crédits. Qui est pas intéressante, hein, vous la gagnez. Volkswagen 1900-1966, rupture de stock, c'est plus disponible. La Abarth 595 SS 1970, stock limité à 47 900 crédits. La Renault R5 Turbo 1980, rupture de stock. L'Alfa Romeo Mito 2009, rupture de stock. Tout ça, c'est fini. La Ferrari 308 GTB 1975, disponible à 169 000 crédits. Pas très intéressante, sauf si vous en pouvez, si vous en voulez plusieurs, pardon. Puisque cette voiture, vous la gagnez dans le menu du GT Café numéro 38. C'est-à-dire l'un des derniers, parce qu'il y a 39 menus. Si jamais vous n'avez pas fini et que vous ne le saviez pas, au moins vous avez l'information. La BMW M3 Sport Evolution 1989 est en rupture de stock, elle n'est plus disponible. La Volkswagen Sirocco R est en stock limité, disponible à 46 100 crédits, pas très intéressante. C'est une voiture que vous gagnez, c'est une voiture que vous pouvez acheter neuve, donc c'est pas très très intéressant. La Mini Cooper S 2005 est en rupture de stock. La De Tomaso Pantera 1971, disponible à 173 000 crédits, est en stock limité. Une voiture très intéressante à acheter pour la collection. Il faut absolument pas hésiter à la prendre, ça va pas tarder à disparaître. La Chevrolet Corvette convertible C3 1969 n'est plus disponible. Rupture de stock. La Ferrari Dino 246 GT 1971 disponible à 343 200 crédits est en stock limité. Une voiture qu'il faut absolument prendre pour la collection. Elle est là depuis une semaine en vente. Elle va pas tarder à disparaître. Donc vraiment pour la collection, il faut se dépêcher un tout petit peu. La SLS AMG 2010 disponible à 319 800 crédits. Une voiture pas du tout intéressante à acheter, puisque c'est une voiture que vous gagnez dans le menu du GT Café numéro 34 et qu'en plus vous pouvez acheter neuve pour pas beaucoup plus cher. J'ai pas vérifié le prix, mais pas beaucoup plus cher. Et surtout une voiture que vous gagnez. Donc franchement, honnêtement, c'est pas ultra intéressant. La Porsche 911 GT3 997 2009 disponible à 142 500 crédits. Une voiture que vous pouvez acheter neuve. Pas beaucoup plus cher en plus. Donc c'est pas ultra intéressant. Moi je ne l'ai pas prise. De toute manière je l'avais déjà. Voiture très intéressante à acheter. Par contre si vous l'avez ratée la première fois qu'elle est venue le mois dernier. La Lamborghini Countach 25e anniversaire 1988. Disponible à 690 200 crédits. Donc c'est un certain budget quand même. Mais c'est une voiture à prendre pour la collection. Vous ne pouvez pas la gagner. Vous ne pouvez pas l'acheter autrement. Et voilà, et puis elle est redisponible, donc ça fait plaisir, parce que moi je l'avais raté la première fois qu'elle était venue, donc c'est cool. La Honda NSX Type-R 2002 est en stock limité depuis hier, déjà. Donc ça va être le dernier jour si... probablement le dernier jour si vous voulez la prendre, mais bon, c'est une voiture pas très intéressante, vous pouvez l'acheter neuve. Il y a quand même une belle économie à faire dessus, si jamais vous voulez économiser des crédits, vous êtes un peu ric-rac. Ça peut potentiellement être intéressant si vraiment vous voulez faire des économies et... pour augmenter votre collection. La Nissan R33 GT-R V-Spec 97 en stock limité 154 300 crédits, pas très intéressante, vous la gagnez. La Toyota Supra RZ 97 stock limité depuis déjà hier, mais c'est une voiture que vous gagnez dans le menu GT Café également, donc voilà, c'est pas ultra intéressant. La Ferrari 512 BB 1976 290 800 crédits vient de passer en stock limité aujourd'hui. C'est une voiture qui est un peu plus intéressante que toutes les autres, puisque cette voiture vous ne pouvez pas l'acheter autrement. Et c'est une voiture que vous ne gagnez pas, donc il faut se dépêcher un petit peu si vous la voulez. Et ensuite, pour terminer, du côté des occasions, la Mercedes-Benz SLR McLaren 2009, en stock limité à 493 500 crédits, une voiture que vous pouvez acheter neuve. Pas ultra intéressant, vraiment. Du côté des légendes, une voiture en stock limité, une voiture en rupture de stock. La Jaguar XJR9 1988, disponible à 2 500 000 crédits, vient de passer en stock limité, elle va pas tarder à disparaître.
Donc si vous avez les moyens, que vous voulez augmenter votre collection, il faut se dépêcher un petit peu pour la prendre. Puisqu'elle ne sera bientôt plus disponible et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va revenir. Pour le moment, il n'y a pas de voiture de légende qui est revenue deux fois hein, depuis le début du jeu. Le jeu a quand même pas loin de 2 mois et comme vous pouvez le voir, voilà, ça prend quand même du temps. Le temps que les véhicules reviennent. Donc voilà, pour la collection, il faut se réveiller un petit peu si vraiment, vraiment vous voulez finir rapidement votre collection. C'est intéressant de la prendre. La Ferrari 250 GTO 1962 n'est plus disponible. C'est une voiture qui était disponible à 20 millions de crédits. Elle est restée un petit moment quand même, cette voiture. Elle est quand même restée 9 jours en tout. Vous avez eu 8 jours pour l'acheter, parce qu'elle est sortie le 12. Voilà, c'est plus disponible. Il faudra attendre un restock si vous êtes passé à côté. 20 millions de crédits, c'est vrai que c'était très cher. Donc je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu la prendre. Mais voilà, il fallait se dépêcher un petit peu quand même, mais c'est quand même resté 9 jours. Donc vous avez quand même largement eu le temps si vous aviez les crédits et si vous aviez le temps de rouler. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, merci à tous et à bientôt. Allez, à plus les gens.